Je vais vous emmener en 1999 en Pologne. Sur le côté d'un HLM, on peut voir le visage de Jésus. Alors effectivement, on ne voit pas très bien, alors ouvrez bien vos yeux et votre cœur. Beaucoup de personnes croient que de nos jours, il n'y a plus de miracles. En réalité, la France et beaucoup de pays européens sont dans un brouillard. Un brouillard qu'on pourrait appeler un brouillard de ténèbres. En effet, cela fait maintenant quelques années que nos grands-pères et grands-mères ont décidé de s'éloigner de Dieu et de retirer Dieu de notre vie. Maintenant, les jeunes se demandent, mais où il est Dieu? Dieu, il existe? Il est où? Et que fait-il? Par contre, ils s'aperçoivent que Satan est là. Alors du coup, ils suivent Satan, très naturellement. Certains trouvent que suivre Satan, c'est comme un jeu, c'est amusant, c'est une espèce de mode, et qu'on lui donne de la souffrance et que rien ne se passe, que tout est normal et que tout va bien. En réalité, Satan se sert de ces souffrances-là pour détruire les familles. Oui, vous avez bien entendu, détruire les familles. Son travail principal de nos jours, c'est de détruire les familles telles qu'elles étaient conçues par Dieu, avec un papa, une maman et des enfants. Ce qu'il faut absolument savoir sur le mal, c'est qu'il existe, qu'il travaille, mais ne pas faire cas de lui. Il faut l'ignorer le plus possible et regarder les œuvres de Dieu et regarder ce qui est bien dans le monde. Si vous voulez suivre Marie, commencez par le commencement. Ne vous occupez pas de tout le reste, commencez simplement la prière avec le cœur. Prier avec le cœur, c'est prier sincèrement. C'est simplement parler à Marie comme on parlerait à une mère, comme on parlerait à sa mère. Puis, vous devez trouver la joie dans la prière. C'est-à-dire que si vous priez et que vous n'avez pas la joie, il faut continuer à prier le plus possible jusqu'à ce que vous trouviez la joie. Les chants et la musique peuvent vous aider. Une fois que vous aurez la prière avec le cœur et la joie, il ne vous restera plus qu'à rajouter les sacrifices et le jeûne. Et là, vous pourrez dire, je suis sur le bon chemin, le chemin de Jésus.